Et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire du fabuleux destin de Marion et Thibault. Une partie de cette histoire commença en 1981 à Rouen. Patrick Robert Daniel, fils de Anna Hildegard et de Daniel Achard, a 16 ans lorsqu'il rencontre Véronique, fille de Michel et Jacques Grosjean. Waouh! Comment ne pas succomber au charme de la belle et rebelle Véronique? Quant à Patrick, sa moustache était à l'image de sa carrure, affûtée, sans oublier sa splendide chevelure, à l'époque encore balayée par le vent, avant d'être balayée par ce fléau familial qu'est la calvitie. Ils tombèrent donc amoureux. Ouh, coucou Patrick! Oh mamma mia! Et ils se marièrent. De cet amour naquit leur premier enfant, Mathieu. Déçu par sa tête démesurément grosse, obligé d'être évacué par forceps, Véronique exigea un nouvel enfant. Patrick, fais-moi un enfant! Je veux un autre enfant! Ok, c'est parti! Et de ce caprice naquit Thibault. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est avec beaucoup de curiosité que Mathieu accueille son petit frère. Mais très vite, une fantastique et solide complicité se créa entre eux deux. Malgré son apparence de petit ange, la personnalité de Thibault était tout autre. Le monde représentait aux yeux de Thibault un milieu hostile. Thibault était déjà vieux avant l'heure. La musique, elle est trop forte pour mes petites oreilles. Le sol, il est trop dur pour moi. Oh, l'eau est trop mouillée pour moi. La neige, elle est trop molle pour moi. Puis Thibault grandit, laissant derrière lui toutes ses névroses. Par chance, la nature lui offrit la carrure athlétique de ses parents et de son frère. Cet atout physique lui permit d'entamer une carrière de gymnaste. Même si les médailles s'accumulaient sur les étagères et que le juste corps semblait inventé pour lui, Thibault avait d'autres perspectives d'avenir. Soucieux d'offrir à son frère un avenir stable, Mathieu, grand passionné de cirque, encouragea son frère à devenir un circassien. Absolument pas obligé, ni même contraint par la force. C'est avec plaisir que Thibault accepta de jouer avec son frère. Malgré un avenir prometteur et un talent indiscutable, Thibault fit une croix sur cette carrière de troubadour. Puis, il fut venu le temps de faire des choix. Qu'est-ce que Thibault veut faire plus tard? Totalement dépourvu d'appétence face au choix d'orientation classique, il prit son courage à deux mains, surmonta ses allergies à la farine et partit à l'aventure pour devenir pâtissier boulanger. Thibault, alors en train de brûler la vie par les deux bouts, est loin de s'imaginer que la rencontre avec son âme sœur est imminente. Une silhouette élancée et une chevelure à faire pâlir Beyoncé. Et laissez-moi vous présenter Marion. Marion n'a pas toujours eu une tête de personnage de dessin animé. Quoique, à sa naissance, qui a eu lieu le 23 décembre 1992, Marion a pointé le bout de son nez avec une belle jaunisse. Un beau bébé, certes, mais un bébé jaune.
Vous l'aurez compris, Mario était à croquer et elle fit la fierté de ses parents. À ce propos, Annie et Hervé tombèrent amoureux le 1er avril 1988 et se marièrent 2 années plus tard. Une fois la bague au doigt, ils purent consommer leur mariage et offrir au monde leur enfant aîné, Pierre. Ils s'installèrent tous les trois dans une belle maison qu'ils s'efforcèrent de rénover avant l'arrivée de Mario. Mario et son frère s'adorent et ils savent prendre soin l'un de l'autre. Mario endosse parfois le rôle de petite maman. Il ne faudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit à son grand frère. Mais attention, ne vous fiez pas à ses airs angéliques. Mario a déjà du caractère et adore tirer les cheveux de son pauvre frère. Le portrait de famille serait incomplet sans mentionner les cousins de Mario. Sophie, Jean-François, Pierre et Mario sont inséparables. Et les quatre s'encombrent, ils le font ensemble. Les quatre fantastiques de la famille ont une complicité intacte, même après tant d'années. Tout au long de sa jeunesse, Mario développa toutes sortes de passions. Et l'une d'entre elles fut la danse qu'elle aimait pratiquer avec ses copines et ses cousines. Je chantais pour la première fois. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la natation et leur manodou s'enivole. Et c'est après des vacances en Bretagne que Mario annonça à sa famille qu'elle voulait devenir serveuse sur un bateau de la marine. Une vocation était née. C'est à bord d'un caddie et accompagné de ses colocataires, Adeline, Justine et Julien, que Mario dévala les rues de la ville, croquant la vie à pleines dents et décrocha, accessoirement, son bac et son BTS hôtelier. Et c'est parti pour la vie active. C'était la suite d'un stage au château des Sept Tours que Mario rencontra le chef Akram. Conscient de son talent, il prit Mario sous son aile et lui demanda de le suivre à Paris pour ouvrir son nouveau restaurant et l'aider à décrocher une seconde étoile. Mario installa donc ses valises dans un studio au pied de l'Arc de Triomphe. Et c'est alors que la folle aventure parisienne commença. Et les années passèrent jusqu'en 2016, date à laquelle Cupidon se pencha sur le dossier amoureux de Mario et Thibault. Dans un premier temps, Cupidon fit le nécessaire pour que leurs chemins se croisent. Faut absolument que leurs chemins se croisent. Et c'est au Maurice, un palace parisien, que Mario et Thibault se croisèrent pour la première fois. Les premiers échanges furent d'abord strictement professionnels. On envoie s'il vous plaît. Oui chef. Et c'est au moment où il n'y attendait pas, que la flèche de Cupidon les toucha en plein cœur. Mission accomplie pour Cupidon. Et c'est à la veille des vacances d'été que l'équipe du Maurice se retrouva en boîte de nuit. Mario et Thibault le savent, ils sont faits l'un pour l'autre. Et ce qui devait arriver, arrive. Bonsoir à tous. Madame, monsieur, bonjour. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité. Et ce qui fit l'actualité de ce vendredi soir fut le baiser de Mario et Thibault. Et voilà comment commença une belle histoire d'amour digne des plus beaux films hollywoodiens. Et c'est après cette soirée magique que Mario et Thibault, toujours sur leur petit nuage, décidèrent de partir quelques jours à Annecy. Le stress et la timidité de Mario et Thibault auront eu raison de leur appétit. Ils ne mangèrent pas pendant 3 jours. Dès lors, leur amour devient
officielle et Annecy devient leur ville de cœur. Et c'est à Londres que les deux tourtereaux décidèrent de s'envoler pour écrire la suite de leur histoire. Et la suite de cette histoire, nous la connaissons tous. Les deux jeunes vivent leur meilleure vie de l'autre côté de la Manche et fréquentent tout le gratin londonien. Alors même que la vie leur sourit, ils décidèrent de passer à l'étape supérieure. C'est le 1er novembre 2021 que Mario et Thibaut invitèrent frères, sœurs et parents à Paris pour une grande surprise. Après cette journée des plus romantiques, les futurs époux partirent à la recherche de leurs témoins. Et puis vint le temps des enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille. Et c'est aujourd'hui le 20 mai 2023 que nous nous réunissons tous pour célébrer avec nos jeunes mariés cette si belle journée. Vive les mariés, on vous aime! Salut les copains! Quel moment magique vraiment! Quel bonheur de vous retrouver pour cet événement si marquant dans votre vie. Je vous aime très fort, vous êtes toujours dans mon cœur malgré la distance et à très très vite j'espère pour plein de nouvelles aventures. Je vous aime! Peu importe où la vie vous emmène, soyez heureux! Marion et Thibaut, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous aime les amis. Vive les mariés! Santé! Santé les mariés! Marion et Thibaut, on vous souhaite beaucoup de joie pour cette belle journée et plein de bonheur pour la suite. Bon mariage! Congratulations, guys. Cannot wait to celebrate with you. Thank you so much for letting us join you on your special day. I hope you have an amazing time and just wishing you a lifetime of happiness, which you both truly deserve. Mwah. Lots of love. Mais, qu'est-ce que tu fais? Je bois un coup à la santé des mariés. Santé! 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 Non, félicitations! Bonjour Marion et Thibaut. Nous vous souhaitons tout le monde de bonheur. Bisous les mariés! Vive les mariés, je vous aime!
My dear Thibault, my dear Marion, longue vie à l'amour. Oh yeah! Coucou les amis. Ouais, une petite vidéo assez courte pour vous dire que bah, déjà on vous aime et que... On vous souhaite tout le bonheur de cette monde et on est très contente de participer à la journée plus belle de votre vie. Cette vidéo, ça sera dans la mémoire. On vous aime. Beaucoup d'amour et tout ce qui va avec. Et courage pour la suite. Et courage surtout pour la suite. On vous aime les mariés. Coucou Chef et Marion, je vous souhaite à tous les deux les bonheurs du monde pour votre mariage. Grosse bisous. Félicitations. Des bisous. Ils arrivent. Ils sont sur l'équipe, ils arrivent. Ils arrivent pour la tour, ils arrivent pour le mariage. Et on va s'éclater.